Le 24 février dernier, le nouveau film de Michael Youn, baptisé BDE, est sorti sur la plateforme Prime Video. Une comédie dans laquelle joue également l'ancienne star du Morning Live, mais aussi Elena Noguera, Lucien Jean-Baptiste et Ryan Bensetti, entre autres. En promotion, ce dernier acteur a accepté de participer à une vidéo YouTube animée par Guillaume Play, sur sa chaîne Legend, en ce mois de mars. Face caméra, le jeune homme de 29 ans en a profité pour raconter tout un tas d'anecdotes hilarantes sur ses soirées alcoolisées, sur ses secrets capillaires ou encore sur ses débuts dans le théâtre. Il a aussi raconté avoir vécu un moment surprenant lorsqu'il a fait la connaissance de Vanessa Paradis, qu'il idolâtrait pour son talent d'actrice. Ma mère et moi, on a toujours été fans de tout le monde. Aujourd'hui, c'est drôle de côtoyer des gens pour qui j'avais de l'admiration jeune, a-t-il d'abord lancé, comme l'ont rapporté nos confrères de Télé 7 jours, avant de donner quelques explications sur ce souvenir. Donc, je venais à Paris et je faisais toutes les sorties de théâtre où il y avait des célébrités pour les rencontrer et essayer de gratter dans le cinéma. Supérieur à Vanessa Paradis, retour sur son évolution physique. Ta mère, je ne la connais pas, moi. C'était les Césars. J'attendais à la fin. Je sais que ma mère adore Vanessa Paradis et j'avais ma petite caméra. Je lui demande si est-il possible de faire une vidéo pour ma mère, a déclaré Ryan Bensetti, en partageant la réponse glaçante et qui l'avait choqué, de l'ex-femme de Johnny Depp. Elle m'a dit, mais ta mère, je ne la connais pas, moi. Je ne le fais même pas pour ma mère en émission, donc je ne vais quand même pas le faire pour toi. Avec le recul, le jeune homme a retenu une leçon de ce moment étonnant de sa vie où il s'est senti brutalisé, depuis qu'il est, à son tour, devenu connu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tu ne me verras jamais refuser une photo. Je vois à quel point on peut être heureux, ne serait-ce qu'avec une petite photo, une petite dédicace. Et comment tu peux être très déçu d'une personne avec un simple nom? Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Olivier Borde.